Et donc bonjour à tous les amis, c'est R19 et aujourd'hui on se retrouve sur Clash Royale. Déjà je voudrais faire une vidéo sur les mises à jour en fait. Directement on commence avec les 5, les deux nouvelles espaces de deck. Juste une, ça m'aurait suffi, mais quand même, la deuxième c'est vraiment au cas où, hein. Deuxième nouveauté. Eh ben c'est déjà qu'il y a 5 nouvelles cartes, hein. Je me suis trompé. Voilà, 5 nouvelles cartes qui vont arriver. On a... Direct, je vais commencer par la chauve-souris. Ici, ça va probablement être la bombe squelette. Ah non, non, ici, ça va être la charrette à canon. Le méga cavalier, si je me trompe pas. Ici, je crois que ça va être un peu le genre de drone, je me souviens plus trop de son nom. Mais bref, et la bombe squelette. C'est vraiment 5 cartes, là, je sais pas, peut-être pour les anciens comme moi, hein. C'est déjà arrivé une fois si je me trompe pas. Mais voyons, c'est très rare, hein. Donc, passons à la prochaine nouveauté. Donc, on voit le shop. Le tout nouveau shop avec de l'aide, voilà. Comme moi, je ne savais... Il y a une info que je savais pas, c'est le cycle de 3 mois. Moi, vraiment, je croyais que c'était aléatoire, hein. Je ne savais pas. Je suis un incompliqué. Aussi, il y a la nouvelle animation de Légendaire. Malheureusement, je peux pas vous mettre un peu un petit gameplay. Mais juste pour vous dire, en fait, ça va faire... Désolé, petite interruption de ma soeur. Là je vous l'ai montré. Hein. Voilà, c'est le fameux 2v2. Vous pouvez combattre avec un ami. Oh non, on est deux. Ouch! Désolé, encore une petite interruption de mon frère. Ouais, faut croire qu'ils sont vraiment en train de me faire chier pendant que je tourne. Ils font chier. Voilà, on peut faire des petits 2v2, voilà. Avec un adversaire aléatoire, je n'en ferai pas. Tout simplement parce que... je sais pas en fait, mais... voilà, prochaine mise à jour. La prochaine mise à jour, je vois. Prochain truc, voilà, inviter un ami. Voilà, avec... Bluetooth, courriel, Discord, pour ceux qui l'ont. Flipboard, Google, Gmail... Google Plus, Messenger, Note, Wi-Fi direct, en gros les réseaux sociaux quoi. Les réseaux sociaux ça serait plus Discord et Messenger, mais voilà. Aussi voilà, normalement ici, voyons. Ici où l'espace blanc t'as ça, mais invité à rejoindre le clan. Donc voilà, ça fait toujours plaisir pour ceux qui veulent. Et je crois qu'on a fait vraiment le tour des mises à jour. Hein. Moi, je crois. Ah oui, je vais aussi vous montrer quelques petits bugs qui sont. Que ceux qui cherchent pas ne trouveront juste jamais. Non, mais honnêtement, là, sérieusement, je vous revois tout de suite. Directement, il faut prendre la quatrième langue, L. Voilà, un mode fil par mode de langue, ça va être très facile. Voilà, déjà, vous voyez le petit truc ici que normalement il n'y a pas. Déjà, what? C'est quoi ça? Ah oui, aussi, il y a les nouveautés un peu bizarres. Là. Des nouveautés qu'il n'y a pas normalement. Et le petit truc, vous voyez ça, le maximum c'est 1 million. Mais non, sérieusement, ceux qui ont déjà joué en cette langue, mais qui n'ont pas remarqué ça, non mais... Faut quand même chercher vraiment toutes les langues. Hein. Non mais regardez-moi ça, genre. Le premier nombre, c'est le nombre de gemmes achetées ce mois-ci. C'est en moyenne, si je me trompe pas. En bas, c'est le nombre de gemmes que vous avez en ce moment. Et le troisième truc en bas, je m'en souviens pas. Mais
Je sais pas en fait. Je crois que c'est le. Peut-être le. Combien de gemmes en tout vous avez eu dans des coffres? Je ne sais pas. Mais bref. Donc on passe au prochain bug. Attendez, je me suis fort. Alors pour ce petit bug, on va aller à la troisième langue. Bah oui, forcément. À la troisième. Voilà, vous voyez le petit truc en bas encore. Si je me trompe pas, c'est bien voilà. C'est un peu le help, si je peux dire. Comme ça. Mais c'est bizarre parce qu'il y en a aussi un autre. Là, si je me trompe pas. Oh non! Ah! Bon, ben, petit supplémentaire, hein, parce que moi, honnêtement, ici, normalement, c'est de l'help, hein. Mais là, tu vois, un peu le truc de la fin. Donc, je ne savais pas. Vraiment, ben, vous venez d'apprendre un truc que moi, je viens d'apprendre, parce que moi, je savais vraiment pas. Et donc, on passe au prochain bug. Retour à notre bon français. Et ça fait longtemps, hein, ça fait juste 2 minutes que j'ai changé de langue, puis je m'ennuie déjà du français. Voilà. On dirait que le petit bug de connexion, je comprends pas. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Oui. Bon, ça, non, ça sert à rien en fait. Mais tu peux faire ça, bruh. Vous voyez? Non, mais. 61 fois. Trilliard, 450 millions, bon, je me trompe peut-être, hein. 525 220. De vie. Bah, honnêtement, en fait, c'est juste cheaté. Non, mais honnêtement, quoi. Non, ils sont rendus en 24, hein. Ah oui, à 14, je veux dire. Parce qu'avant, ils étaient quand même à un truc comme. Je me souviens plus combien. Mais bref. Je crois que c'était le dernier bug, mais si jamais je retrouve un autre truc. Il me semble qu'il y avait ça aussi, mais ça marche pas très bien. Il y aura juste une très grosse carte à m'amener. Bon, je l'ai peut-être faite, mais j'ai foiré, mais. Sinon, il y a aussi, oui, un bug très très drôle. Tu fais ça, tu fais ça. Merde, je sais pas, je me suis foiré en fait. C'est comment on fait déjà? Merde, c'est comment qu'on faisait? Eh, j'ai oublié, merde. Mais vraiment, c'était un bug assez drôle, là. Mais je me souviens plus comment on faisait. Ah oui, voilà, ouais. Oh, c'est ça, j'ai retrouvé. Voilà, c'est le bug des grosses cartes. En fait, tu vas mettre, admettons, le squelette par-dessus la carte que vous voulez grossir. Vous cliquez en bas de sélectionner une carte à remplacer. Voilà. Et bien. Pour ceux qui ont fait ce bug initialement puis qui savent pas comment faire, bah déjà vous avez juste à faire ça. À vous déconnecter, à faire un combo, à changer de deck, peu importe. Non, même pas changer de deck, c'est. Attendez, je vais regarder. Mais sans que ça change rien. Bah oui, non, mais sans que ça fait encore. Voilà, ouais, c'est ça me fait encore. En fait, c'est juste de se déconnecter, de faire un combo, de. Bon, en gros, y a pas que. Bah, en fait, c'est juste un peu chiant. Et oui, aussi, voilà, c'était la vidéo que un de mes abonnés m'a demandé de faire. Donc, je me suis dit de la faire, étant donné que mon frère, Loan Pro, lui aussi en a fait une, mais. Bof, hein, vraiment en mode. Bof. Quoi, donc. Quand même. Ça fait toujours le plaisir de savoir. Doumblé. Bientôt Arène, c'est ans, quand même. Mais bref, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé connaître un peu les quelques bugs, nouveautés, blablabla. Aussi, si vous avez aimé les réactions que j'ai eues, qui font chier. Je vous inviterai à lâcher un like et à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Yeah. Forcément, j'ai fait une ellipse à la place de fermer la vidéo. Qu'est-ce que je suis nul là?